Allez, sœur. Laisse-moi. Hey. Allez. Laisse-moi. Ça, c'est ton père, non? C'est pas la fille de papa. Pourquoi tu me parles ça? Attends, c'est moi que tu boudes. Tu me. Alice. Hein? Oui. Laisse-moi, tu es plus mon ami. Attends, c'est pas parce que nous, aujourd'hui, les parents modernes, on a décidé de libéraliser un peu la communication avec les enfants que tu vas me parler mal, hein? Tu connais comment ça s'est passé à notre époque? À notre époque, est-ce qu'un père pouvait se placer là, marcher, aller à l'école avec sa fille? Est-ce que nous avons la possibilité de parler même avec nos parents? Est-ce qu'un père, on voyait le père? On connaissait même qui était le père? Beaucoup de personnes ne connaissaient pas qui était le père. Aujourd'hui, toi, tu connais même qui est ton père. Ton père rit même avec toi, il monte les dents, il saute, il descend, il roule et il part accompagner à l'école. Tu connais ce qui s'est passé à notre époque? Nous sommes au 21e siècle et là c'est mon époque. Est-ce qu'à votre époque il y avait des influenceuses? Les filles partaient à Dubaï. C'est le 21e siècle, il faut me laisser tranquille. Et donc c'est parce qu'on est au 21e siècle que tu penses que tu vas faire ce que tu veux. Tu vas me manquer le respect jusqu'à moi et te donne le goûter et toi tu décides de bouder, c'est ça? Quel goûter? C'est ça que tu appelles goûter? Ce n'est pas le goûter. C'est pas le goûter, on ne réchauffe pas le goûter. Et quand tu réchauffes le goûter, tu goûtes, ça ne goûte pas? Ça ne goûte pas comment? Ça goûte toujours. Moi j'ai goûté le goûter. Mais maintenant ce que tu m'as donné c'est pas le goûter. Et je ne t'ai pas demandé ça. Moi j'ai demandé le pain au chocolat ou bien le croissant. Alice, tu voulais le pain ou le croissant? Donc si je comprends bien, il doit avoir la nourriture à la maison. La nourriture qu'on a fait hier, on a mangé, il y a le reste. Le matin, il y a encore ça. Au lieu de chauffer pour aller à l'école avec, j'ai pas dépensé encore l'argent pour acheter le pain ou le croissant. C'est normal. J'ai l'argent là, j'ai l'argent à gaspiller. On laisse la nourriture à la maison, je peux bien rentrer de l'école, je mange, non? Si tu manges ça à l'école, ça va faire quoi? Ça sera pas bon. Ça sera pas bon parce que c'est à l'école. Tu sors la nuit. Donc déjà, il y a des nourritures là que c'est bon à la maison et ce n'est pas bon à l'école, n'est-ce pas? C'est bon et ça sera bon. Et c'est avec ça que tu vas aller à l'école, c'est ça que tu vas manger à l'école. Tu racontes quoi? Donne-moi mon sac. C'est comment c'est moche. Qu'est-ce qui est moche? Ça là est moche. Oui. Alison, ça c'est parce que j'ai changé. Hein? Le fait de devenir père là, ça m'a donné un certain nombre de responsabilités. Sinon là, là où tu me vois placé là, c'est qu'il n'y a plus rien dans la fesse là. C'est qu'il n'y a plus rien dans la boîte là comme tu vois là. Qu'est-ce qui est moche? Et comment c'est bon? Je serre seulement le cœur là où tu me vois là. Je suis en train de serrer le cœur. Tu dis que qu'est-ce qui est moche? Regarde comment c'est bon. Je ne veux pas partir à l'école avec ça. Tu ne veux pas partir à l'école avec ça? Pourquoi? Après, c'est pas la nourriture que mes camarades amènent à l'école. Je vais dire à maman que tu as dit que sa nourriture est moche. Je vais dire à maman que je ne vais pas me donner ce qu'elle veut. Je n'ai pas ce que tu veux. Ce que tu veux, je n'ai pas. Et ce que j'ai, tu ne veux pas. Et comme je suis le père, c'est moi qui prends la décision finale. Tu vas à l'école avec. Et si je pars dans l'école avec, et puis maintenant, quand je mange, je couche, je dors. Le sommeil est réparateur. Tu as suivi la phase, le sommeil est réparateur. C'est-à-dire que quand tu vas finir de dormir, tu te réveilles. Que ce soit le cours d'arithmétique ou alors de mathématiques, tu vas bien comprendre ça plus que tout le monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si alors je rate une leçon, on me tape. Qui va fouetter ma fille? On fouette ma fille parce qu'il lui a donné la nourriture qu'il a fait dormir. On fouette ma fille. Si on te fouette, tu viens me dire. Mais si c'est vrai que où tu m'as mis la nourriture, c'est là. Normalement, tu ne devais pas me mettre ça ici parce que mes camarades, eux, ils partent avec dans la gamelle. La gamelle, c'est quoi? Papa ne connaît pas la gamelle. Tu m'amènes qu'à l'école. Bye bye. Alison, la gamelle c'est quoi? La gamelle? C'est quoi? C'est ton camarade? Vous êtes dans la même classe? Non, ça ne peut pas être son camarade de classe. Elle a dit qu'on met la louture dedans. On ne peut pas mettre la louture dans son camarade. C'est son camarade qui mange la louture. Alison! Alison, gamelle là c'est quoi? C'est un sketch? C'est Jamel Debbouze qui a fait ça? Alison! Alison! La gamelle, c'est quoi? On peut faire comme ça, c'est ton show, hein? C'est ton show, non? C'est ton show! Il est dans la même classe que toi! Alison! Gamelle là! Gamelle! J'espère que ses parents, c'est qui? Il te dira que ça me dit! C'est vraiment l'argent, j'espère! Je veux voir les gens qui vont venir doter avec les dettes, hein? On ne donne pas ma fille avec le frère! Alison!
Alison, comment tu dis?